Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre bifa se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas un prank. Aujourd'hui, il n'y a pas de prank. Aujourd'hui, c'est calme. Aujourd'hui, c'est journée non prank. On va pas faire des pranks tous les jours quand même. Et puis, je dois vous dire qu'on a déjà fait un petit prank, mais Lia a tout cassé parce qu'elle a chopé la caméra en quelques secondes. Donc bref, les pranks reviendront et vous inquiétez pas, je trouverai un moyen de la prank. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour une sorte de vidéo tag où je vais poser des questions à Lia. Salut, salut. Donc, pour vous expliquer par rapport à la vidéo qu'on a faite hier, donc moi je posais des questions à Abdel me concernant, il devait y répondre et donc aujourd'hui on va faire l'inverse, il va me poser des questions et je vais devoir y répondre. Voilà, on vous avait demandé donc 20 000 likes et vu que vous êtes, comme vous pouvez le voir, pratiquement aux 20 000 likes, j'ai dit bon allez, on peut la tourner. Pour la prochaine, je vous demanderai 25 000 likes. On peut le faire si chacun, comme d'habitude, y met du sien. Personne d'entre vous ne doit se dire « Oh, c'est pas grave, il va les avoir ». Non, mets ton petit like, ça fait plaisir. Si tu peux soutenir et tu peux aider avec une seule chose, c'est le petit like qui fait super plaisir. Donc fais-le, ça ferait plaisir. Merci à vous, mettez un maximum de likes, je compte sur vous pour une petite suite dans pas très longtemps. Peut-être pas demain, mais une suite qui arrivera peut-être après-demain ou dans 3 jours. Une petite suite pour voir si moi et Lia, on se connaît bien. Alors déjà, je vais poser une première question à Lia. Quels sont les animaux que j'ai eus? Et t'as pas intérêt à me décevoir dans cette vidéo, t'as intérêt à bien me connaître. Ce que je sais, c'est que t'as eu que des chiens. T'as eu que des chiens. Quand t'étais au bled, t'avais des bergers allemands. Quand t'es venu en France, t'as eu un autre chien aussi. Ouais. Mais après, au bled, t'as des moutons et tout. Mais bon, c'est pas les tiens, quoi. Ouais, non. Attends, moi, je veux précisément les animaux. Ah bah non, c'est des animaux, on n'a pas dit la race, on a dit les animaux, tu as eu des chiens. Non, les animaux, bah j'ai pas eu des chiens. Rottweiler. Ouais. Berger allemand. Ouais, ok, non mais ok. Piranha. Voilà, j'ai eu un poisson, donc un piranha, ouais. Oui, bah après t'as eu d'autres poissons, quoi. Oui, et quoi encore? Des oiseaux. Ouais. Ouais, des oiseaux. Ouais. Des oiseaux qui chantent. Voilà, tu me déçois. Et c'est quoi comme animaux que j'ai eu? Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça chante. Canaries. Voilà, des canaries, tu leur donnes des graines après. Et j'ai pas eu que ça. Oui, des perruches aussi. On a eu des perruches ensemble aussi. Oui, je sais, mais après je connais pas. On avait une perruche qui s'appelait Abdel et Lia. Bravo, tu t'en rappelles, je vois. Oui, bah je l'ai dit, des perruches. Ouais, mais non, tu l'as pas dit au début. Ah, au début, t'as dit des chiens, c'est tout. Tu me déçois. Oui. Tu commences déjà en me décevant de dingue. Alors, c'est quoi les premières choses que je fais le matin quand je me réveille? Ah, bah alors, première chose, il se lève, il crache. Ensuite, il va à la salle de bain, il se lave le visage, il se lave les dents et ensuite il vient, il allume son PC et il regarde ses statistiques sur YouTube. Voilà. Là, je t'ai déçu ou pas? Non. Bon, là, ça va. Les choses qu'on me reproche le plus. T'es trop nerveux. T'es trop impulsif. Tu t'énerves trop. Et tu rages trop. Voilà. C'est les choses qu'on te reproche. Non. Si, ah si. Non. Je suis désolé. Ah bah si tu veux que je continue, il y en a d'autres. Ma grand-mère, elle me reproche d'être trop gentille. Par exemple. Oui. Non mais ça oui. Mais pas avec tout la monde. Famille toujours. Pas avec tout la monde. Famille. Pas tout le monde te reproche ça. Mais ce que les gens te reprochent le plus, c'est que tu rages trop. D'accord. Super. Quel est mon rêve, Lia? D'aller aux États-Unis. Mais si on parle comme ça, mais sinon si on parle de privé, vraiment privé, d'avoir une maison, d'avoir une voiture avec ton permis et d'avoir une famille. Je te déçois? Un peu moins, mais tu me déçois quand même, parce que les animaux, c'était quand même... Les perruches, on les a eues ensemble. Oui, mais vois, on les a pas gardées vite. Ta mère, elle les a laissées mourir. Elle les a pas laissées mourir, elle les a pas nourries. Bah ouais, bah elle les a laissées mourir, elle les a oubliées. J'en suis sûr, elle les a mangées. Elle en a fait un barbecue. J'en suis sûr. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Alors, on va dire déjà sur Internet, ce qui t'énerve le plus... Bah, c'est les gens qui parlent pour rien, donc ça, c'est quelque chose qui t'énerve. Ouais, les trous du cul qui jugent alors qu'ils n'ont pas un sou dans la poche, quoi. Voilà. Ouais, et ensuite, dans la les vie... Les mecs, en gros, qui foutent rien dans leur vie, mais qui te disent ce que tu dois faire dans la tienne, tu vois. C'est le genre de mec, je peux pas me les supporter. Alors, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Il y a moyen que ça soit moi qui t'énerve le plus. Ouais. Et il y a moyen aussi que ça soit quand je dépense trop d'argent, que ça t'énerve aussi. Et quand on profite, enfin, quand on essaie de profiter trop de toi. Je pense que ça t'énerve aussi. Ouais. Voilà. Quel est l'aliment que je mange tout le temps?
Alors, à une certaine époque, tu mangeais tous les soirs des chips et tous les soirs des pizzas. Sinon, ce que tu manges tout le temps, des chips, des pizzas, des burgers. Je suis déçu. Je suis déçu. Un Alors aliment là, que tu manges tout le temps? je suis déçu, quoi. Là, j'ai rien pour se frapper avec. Des merguez! Des merguez! Tu manges toujours des Non, merguez! non, non. Bah dis-moi, c'est quoi? L'aliment que j'aime le plus, c'est que je mange souvent, que tu me fais souvent. Le bordel, il coûte au moins 15-20 balles. Ah! Du saumon! Voilà. Ouais, mais t'en manges pas tout le temps. Ah si, Mais j'en mangeais tout le temps pendant une oui, période. J'en pendant une mangeais tout le période. temps. Et quand je peux, j'en mange parce que ça coûte quand même 20 balles. Alors c'est normal, je vais pas manger un saumon de 20 euros par jour. Donc ouais, mais il faut avouer quand même que tu manges de la pizza, des burgers. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, les pizzas, je te mange n'importe quelle pizza. Alors que le saumon, c'est le saumon. J'aime beaucoup le saumon, tu sais très très bien. D'accord. Alors là, tu me déçois par contre. D'accord. C'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup le saumon En avec la plus, c'est moi mâche. qui lui fais à manger, alors j'aurais dû Le saumon savoir. avec la mâche. Et du comté. Et du comté. Et de la sauce salade. La vinaigrette. Et en plus, je peux vous avouer quelque chose. Adèle, quand il mange ça, après il va aux toilettes dans son cacao Ah salade. Dans son cacao salade. Ils ont pas entendu. Dans son cacao. Des bouteilles. Alors, sans quoi je ne peux pas vivre? Sans internet. Sans connexion internet. Il peut pas vivre sans connexion internet. Non, non, non. Me fais pas genre. C'est pas sans vrai. connexion internet, tu ne peux pas vivre. C'est pas vrai. Oh si. C'est pas Et vrai. ceux. Attends, attends. Et ceux qui regardent nos lives sur YouTube et ceux qui regardent nos lives sur Twitch, quand à l'époque on n'était pas en partenariat avec Bouygues, je peux vous garantir que quand on avait l'ADSL de la maison, hein, d'accord? Alors, C'est pas vrai. j'ai raison. Question suivante. Alors, celle-là, je pense que tu vas me décevoir, hein. Un sport que je pratiquais en étant jeune. T'as fait du foot, t'as fait du judo ou du karaté. Et voilà. Bah bravo. Bah non. Ah si? Bah non. T'as fait du judo ou du Non. karaté? J'ai fait du judo, du karaté, Bah voilà. du taekwondo, du foot De et la j'ai boxe. fait de la boxe. Ah c'est bon, j'ai tout trouvé. Non, À t'as pas part tout le trouvé. taekwondo, taekwondo, je sais pas comment dire. Taekwondo. Taekwondo. T'as pas trouvé. Tu me déçois. Qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie? Tu joues. À la console. Ouais, ça va, ça va. Alors celle-là, je pense que t'as la réponse, hein. On l'a fait hier, à moins que t'as déjà oublié. Combien j'aimerais avoir de petits bougnoules avec toi? 3 ou 4. 3 ou 4 petits Alors bougnoules. 3, mais de préférence, il aimerait bien 4. Ouais, 4, c'est bien. Mais il faut Une que ça sorte. équipe de foot, Ouais, quoi. mais faut laisser le temps, tu vois, entre tous. Mais attends, je dis peut-être que je veux 4 enfants, mais peut-être que le premier, déjà, il va tellement nous tuer que j'en voudrais juste peut-être lui ou un deuxième au maximum, tu vois. C'est fatigant, un enfant, hein, faut pas croire, hein. C'est du travail, hein. Nos pauvres parents, ils ont bossé pour nous, déjà, ils se sont fait bien chier pour nous. On va te dire, c'est compliqué. Hein. Au pire, de toute façon, mon enfant, moi, tu sais, ma grand-mère, elle aime les enfants, donc je le file à ma grand-mère, au pire, si j'arrive pas. Oh non, le pauvre. Il est à peine arrivé qu'on veut déjà leur fourguer. Ah tiens, c'est un titre, ça. C'est ça, mec. C'est un titre, ça, ou pas? De quoi, je donne mon enfant à ma grand-mère? Ouais? Ouais. Ah, ça peut être un titre, ça. Ouais. Je donne mon fils ou ma fille à ma grand-mère. Ouais. Je veux plus de mon enfant, je le donne à ma grand-mère. Ouais, ça tourne mal. Ouais. Ouais. Flèche rouge et cercle. Yes, Bon, bah, c'est fini. Voilà. Bah, au revoir. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée. Bref, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà. Hein, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Voilà. Et à soutenir l'IA parce que j'ai mieux répondu que lui, il faut dire les choses. Non, Ah non, si, 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 pour ceux qui non. ont vu le tag d'hier, j'ai vraiment mieux répondu que toi. Alors, le tag d'hier, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est l'IA ne veut pas avoir d'enfant avec moi. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. On l'a sorti hier. Donc voilà, je vous souhaiterais juste un bon visionnage pour ceux qui iraient le voir. Voilà, ben, ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qu'on a fait hier. Hier, on a tourné pas mal de vidéos. On a sorti 4 vidéos hier. Ah bon, en même temps, il y avait un live en plus, donc c'est normal. Le quatrième, c'est un live. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller regarder ce qu'on vous a sorti hier. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker ce tag-là si vous en voulez un autre bientôt avec des questions assez personnelles. Des questions peut-être un peu plus développées que celle-ci. Hein, voilà. Et ça peut vraiment être sympa. Vous allez apprendre à me connaître et apprendre à la connaître un peu. Comme ça, vous allez vraiment nous connaître. Et quand on va se voir dans les conventions, à Paris Games Week ou quoi que ce soit, vous allez vraiment avoir l'impression de plus nous connaître. Et du coup, on pourra vraiment plus échanger, quoi. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Je vous dis prenez soin de vous et d'Amifa. Ouais, j'ai lâché un truc. C'était. J'ai lâché une fusée spatiale. Bref, je vous dis prenez soin de vous et de la Mifa. C'était Ciao. Tonton et Tata. Ciao. Merci. Let's
ambassadors that gotta be the healing of the nation. Naturally calming the meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang. Shonda, bang.